Oui, j'ai vu le statut que tu recherches sur le monde qui doit donner. Je ne sais pas, j'ai vu le monde qui fait le placement des monde que j'ai. Je ne sais pas si je peux vous appeler le monde. Est-ce que vous avez ici? Il y a quelqu'un sur ma main. Bonjour, bonjour. Vous avez bien brossé vos dents ce matin, non? Celle-ci, il faut l'appeler. Elle va venir elle-même à Makepe pour sa candidature. Et l'autre qui est Maman Noula, on dit qu'elle place les gens. Donc, elle a le contact de beaucoup de filles. Bonjour, il y a un transfert qui devait être reçu de la Belgique. OK, de Madame Denise. Donc, il faut vérifier si vous avez reçu ça sur le 693. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis rayonnante. J'ai mis le manyanga sur moi, c'est pour ça. Avec l'huile de ricin. Et le beurre de karité. Voilà. Bonjour Romain. Je vais lancer le TikTok de fait, le direct sur TikTok aussi. Comme ça, on fera les deux simultanément. Chantal, bonjour. Ah, assister à la prière, ça t'a fait du bien. Oui. Bon, la prochaine séance de prière, c'est 18h. Parce qu'à 12h, je serai un peu occupée. Donc, nous sommes mercredi et nous jeûnons tous les mercredis.
Nous jeûnons les mercredis. S'il vous plaît, intégrez au moins un jour de jeûne dans votre vie. Ça fait partie des choses qui vont stabiliser votre spiritualité. Ok? Donc, je demande la présence de vos ancêtres, de mes ancêtres, de la Vierge Marie, de l'ange Michael. Tout esprit positif qu'on a déjà pu nommer, qui nous fait du bien. Je demande leur assistance pour pouvoir vous parler au nom de Jésus. Amen. Ok. Il est temps que tu puisses stabiliser ton ascension. Donc, il y en a parmi vous, vous avez une sorte de yo-yo. Vous avez une sorte de yo-yo spirituel. Et ça se manifeste sur tes finances. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Donc, je vais enseigner aujourd'hui sur les pratiques spirituelles de base. Et il y en a qui ne vous feront pas plaisir. Et bon, je vous enseigne ce que j'enseigne. Ok. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que c'est possible pour toi de te discipliner spirituellement. C'est possible pour toi d'avoir un créneau. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu n'as jamais quelque chose de fixe que tu fais, ce n'est pas très conseillé parce que, en fait, on ne peut pas maintenir quelque chose sans discipline. C'est un peu comme si tu as un magasin et tu prends une employée qui est censée ouvrir chaque jour à 8 heures. Tu la laisses, tu pars. Alors, j'ai des magasins dans certains pays. Je m'attends à ce que, si c'est jeudi, 8 heures, que jeudi, tu sois là à 8 heures. Et beaucoup de je ne vais même pas dire les choisir, hein. Beaucoup de personnes, oh my gosh, beaucoup de personnes viennent toujours dissocier la discipline du spirituel. Écoute, tu peux être spirituel, mais quelqu'un est discipliné, il n'est pas spirituel, il te dépasse. Vous suivez, non? Tu peux être spirituel. Tu n'es pas discipliné. Quelqu'un est discipliné, il n'est pas spirituel et il te dépasse. Regardez les immeubles qu'il y a dans votre quartier. C'est vrai que les spirituels se consolent en se disant, on ne mesure pas ça avec l'argent. On ne mesure pas, oui. En fait, ce sont des excuses que quand vous étiez encore dans votre spiritualité basse, on vous a donné. Même les gens qui ont les grands ministères, tu ne peux pas avoir un grand ministère spirituel sans discipline, sans rigueur. Les capacités que tu dois développer. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu as le pouvoir. Tu peux décider que je vais faire 40 jours de jeûne. Tu fais. Tu peux décider que je fais un jour de jeûne. Tu fais. Donc, les choses de base que tu ne peux pas manquer, tu ne dois pas rester sans jeûner. Pratique spirituelle de base. Tu dois jeûner. Deuxième chose.
Tu dois apprendre à prier. Prier, ce n'est pas dire 50, je vous salue Marie. Tu dois maîtriser l'art de la visualisation. Tu dois maîtriser aussi l'art de pouvoir tenir, recevoir des prophéties, tenir ces prophéties et attendre que les prophéties se réalisent. J'ai dû relancer TikTok. Côté finance, tu dois être quelqu'un qui donne, qui fait des offrandes, des dons aux démunis et quelqu'un qui paye sa dîme. Ta dîme te connecte à l'endroit où c'est ta couverture spirituelle. Et tes dons t'ouvrent et attirent l'attention de Dieu. Dans la Bible, le Seigneur dit, tu payes ta dîme, je t'ouvre les écluses des cieux. Bénédiction sur toi. Tu donnes aux démunis et aux orphelins, je viens te sauver. Quand tu cries, j'appelle. Ta lumière va se lever. Donc, c'est deux choses qui sont inévitables. Donc, dans le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui, je vais commencer sur le jeûne. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose que tu aimes. Généralement, la nourriture. Mais il y a des personnes parmi vous qui vous êtes anorexiques. Donc, la nourriture ne vous dit rien. Toi, si tu jeûnes, tu es en train de te tuer même. Et on ne peut pas dire que tu te serais vraiment privé de quelque chose. J'ouvre votre esprit pour que vous écoutiez ce que je dis. Angelo, mon numéro est dans ma bio. Si tu veux me contacter. Peu importe ta religion, peu importe ton background, ton passé, tes croyances, se priver de quelque chose que tu aimes, ça peut être TikTok, ça peut être Netflix, ça peut être Facebook, je ne sais pas. C'est un art de consacrer ce que tu aimes et demander ce que tu veux. Parce que ce qu'on aime et ce qu'on veut, ce n'est pas généralement la même chose. Tu peux aimer regarder Netflix. Et Netflix, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la BMW que tu désires avoir. Donc, je me prive de ce que je veux. Pendant une période que j'ai déterminée, comme on jeûne aujourd'hui, ceux qui viennent d'arriver, on jeûne aujourd'hui. Donc de 6h à 18h. Donc je me prive de ce que j'aime
Et je demande que la force puissante, suprême, positive, l'univers, appelez comme vous voulez, qu'elle vienne pencher un peu ses oreilles pour dire que tu veux même quoi. Donc, c'est des façons de provoquer l'attention de Dieu sur toi. Je vais prendre le passage biblique qui vient un peu le backup. On va aller à Isaïe. Isaïe 58. Louis Segond. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Donc pendant le jeûne, tu attires sur toi la force pour dénouer les chaînes qui avaient sur des personnes particulières. Ton jeûne peut se diriger vers qui que ce soit. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, quand vous entrez dans des relations, les choses de l'homme là commencent à marcher. Je connais une fille, quand elle a commencé avec son ex, il avait une maladie qui faisait qu'il dormait très mal. Donc, quand il dormait, les bruits qu'il faisait étaient... C'était comme si c'était un animal qui se métamorphosait la nuit. Donc, elle a jeûné et elle a demandé, Seigneur, voilà, guéris-le. Depuis un an, le gars est guéri. Donc, il y en a parmi vous, vous avez vraiment cette capacité de provoquer la main de Dieu par votre jeûne. Et vous le savez. Le jeûne n'est pas quelque chose qui tient. Tu peux jeûner pour 10 personnes, ça marche. Tu peux jeûner pour un pays, ça marche. Tu peux jeûner pour une personne, ça marche. Donc, le spirituel n'est pas quantifié. Genre, voilà. Si je fais ma prière, je dis que je prie pour qu'on arrange les routes dans mon quartier ou mon pays. C'est beaucoup. Il y a trop de... Le budget pour faire les routes, ce serait même 15 milliards. Non. Fais seulement ta prière. Ok? Voilà. Donc, un des actes spirituels qui va te permettre de... Et croyez-moi, quand je fais souvent des séances d'exorcisme, j'ai souvent... Parfois, je commande à l'entité de parler avant qu'elle ne sorte. Et il y a quelque chose que ces esprits n'aiment pas. Le jeûne. La prière. Elle est toujours dans les sciences des prières. Hein? C'est un démon qui parle dans quelqu'un. Elle croit même que quoi? Ce sont ces prières-là qui nous fatiguent comme ça. Et si vous revoyez bien, il y a des périodes de votre vie où le jeûne et vous, c'était comme... Tu te décidais et puis tu jeûnais. À un moment, tu as eu des attaques. Donc, comme j'explique ceci, la grâce est en train de revenir sur toi pour faire le jeûne. Donc, reçois cette grâce. J'ai parlé du jeûne. Ça, c'est l'une des disciplines spirituelles. Une autre discipline spirituelle, c'est la prière. Tu peux jeûner, tu ne pries pas. Tu peux prier, tu ne jeûnes pas. Mais quand tu mets les deux ensemble, généralement, quand tu jeûnes, fais l'effort de ne pas être trop éparpillé. Fais l'effort de ne pas être popi. Quand vous prenez 80 000 pour une consultation, regarde comment je te bloque. Je ne suis pas pour tout le monde. Tu comprends? Hein? Je ne suis pas pour tout le monde. Je ne me mélange pas à tout le monde. Attends, il te bloque maintenant.
On vous dit de travailler pour avoir l'argent, vous ne travaillez pas. Maintenant, vous venez déranger les gens. La prière. Consti! Tu es parti acheter. Tu peux acheter quelque chose. De tes gens. Il y a la machine là-bas. Tu peux mettre dans la machine. Et à côté de la machine, il y a le détergent. Tu peux m'acheter des bougies, s'il te plaît. Ah, d'accord. Quatre paquets. Quatre paquets. Un paquet de bougies, c'est 500. Prier, je veux prendre vraiment un petit espace pour vous parler de la prière. Et j'espère que ça va recadrer un peu la façon dont vous pensez. Donc les Ivoiriens. Prier, c'est l'acte de déterminer d'abord ce que je veux, le plus spécifiquement possible. Donc, tu dois avoir les montants, ok? Si c'est l'argent. Et les gens qui pensent que dans la prière, on ne demande pas l'argent, là, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez. Si c'est le crédit que tu veux, il te faut 100 000 euros. Écris, je reçois mon crédit de 100 000 euros. S'il faut 10 000 euros dessus pour payer les taxes, je reçois 110 000 euros. Donc, prier, c'est l'acte d'être spécifique sur ce qu'on veut, de formuler cela le plus souvent, si possible, par écrit. C'est pour ça que quand on bloque quelqu'un, quand les gens viennent pour que je travaille sur eux, ce qu'on fait ensemble, c'est la prière. Qu'est-ce que tu veux? Je ne bloque pas les mariés des gens. Je ne fais pas le contrôle de mari. Oui, je veux que la tise à là, qu'elle laisse mon mari tranquille. Ok. L'une des choses qu'on fait parfois, on écrit. Écrit. Après, on prend le papier. Même pour vous bloquer. Combien de fois vous avez vu les vidéos où on a déterré les choses que les gens ont enterrées? La personne qui a parti faire l'incantation, c'était une prière. Donc, ne pensez pas que la prière est forcément positive. C'est pour ça que quand vous venez faire la prière positive, vous pouvez briser les incantations qui ont été faites contre vous. Parce que l'incantation ou le sort, le sortilège, c'est une prière négative pour attacher quelqu'un. Matthieu 18, versets 18 et 19. C'est l'un des principes qu'on utilise pour soigner les gens dans le spirituel. Si deux personnes s'accordent, tout ce que vous allez attacher sur la terre est attaché au ciel. Tout ce que vous allez attacher sur la détaché sur la terre et détaché au ciel. Donc, toute personne, toute situation, toute chose, toute circonstance, quand vous allez venir, vous allez dire, tiens, Jocelyne, je veux ça. Comme je te dis, ok, faisons comme ça. On est en train de prier ensemble. Donc, les gens qui prient après vous levez, vous commencez à parler au contraire à ce que tu viens de dire quand tu étais dans ton moment de prière là. C'est ça qui fait que votre prière ne marche pas. Je veux. Oui, Seigneur, je reçois. Dès que tu te lèves, ah, est-ce que l'affaire là va même marcher? Ah, est-ce que ça marche même souvent? Maman, je suis pauvre, vraiment. La janvieuse là, ça joue sur moi. Alors que tu viens de dire que janvier, c'est mon mois le plus prospère. Ta prière doit être automatiquement accompagnée de paroles qui suivent et aussi d'actions qui suivent les paroles que tu as dites. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, votre prière ne marche pas. C'est pour ça que souvent vous avancez après vous retournez en arrière.
Parce que quand vous avez avancé, vous vous êtes remis dans les mêmes circonstances. Tu te sépares de quelqu'un, aller vivre dans la maison où vous avez vécu ensemble, là, c'est risqué, oh. Oh, voici là où il m'avait fait l'amour la première fois. Oh, quand on se couchait sur le... Même quand tu te couches sur le lit où vous faisiez l'amour ensemble, là, les esprits qui se levaient quand vous faisiez l'amour, là, ils vont encore venir. Que pense à lui. Oh, quand il me touchait. Oh, quand il me pompoulait bien. Des choses comme ça. Donc, prier, c'est un acte très puissant. Et peu importe les confréries, les fratries, pardon de moi, ils utilisent ce principe. Seulement, ils sont plus concentrés. Ok. Ils sont plus concentrés que vous. Voilà, ma vie a changé. Je me décide, je vais avoir le visa pour aller. Ça sort, on te dit qu'il faut 2 millions. C'est beaucoup comme ça, là. Non, mamie, tu as déjà demandé. Cette année, je suis propriétaire. Oui. Tu finis, on te dit qu'il y a un terrain de 15 millions à acheter. Pousse, dit que je veux acheter ce terrain. J'ai demandé, voilà l'opportunité. Et beaucoup d'entre vous, quand vous priez, et Dieu vous met la réponse, vous attendez toujours que ce soit sur un plateau. On a écrit qu'on a mis un petit mot à côté. Que de la part de Dieu. De la part de Dieu. From God. Best wishes. Meilleur vœu de la part de Dieu. Non! Certains, ce sera des batailles que tu vas pousser. Jusqu'à tu entres dans l'avion, tu es la dernière personne parce que oh, tu es arrivé à l'ambassade pour prendre le visa. On t'a dit que l'encre est finie dans le truc. Tu as dit qu'à l'ambassade, votre encre là, on vend ça où? Tu pars en couloulou, tu cherches. On met l'encre dans le truc. Tu reviens, tu trouves les embouteillages en route. Tu arrives à la porte de l'ambassade, on te dit que la secrétaire est rentrée. Tu l'appelles, elle te dit que je suis rentrée chez moi, si tu vas payer mon taxi, tu dis oui. Elle prend encore la moto, après elle vient, elle te trouve même dans les embouteillages. Finalement, vous arrivez encore à l'ambassade ensemble. Elle prend, elle met l'encre. Quand elle met l'encre, après elle tape, après elle ne coupe la lumière. Et quand je continue. Elle ne coupe la lumière. Tu te dis, ouais, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a un monsieur à 30 minutes de là qui a le groupe. Maintenant, tu dis que ok, oui. Je descends chercher le groupe là-bas. Tu arrives, le monsieur est sorti, il est parti à la prière du soir. Tu l'attends. Après, quand il revient, tu prends le groupe, tu remontes. Il y a crevaison sur la roue. Tu dis que, oui, Seigneur, c'est quoi ça? Finalement, un autre taxi arrive. L'esprit te dit que, stop le taxi là. Stop le taxi là. Voilà comment Dieu vous répond. Hein. Finalement, tu sors, tu commences, tu stops, il refuse. Tu crois que, tu dis que, c'est même pas Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui t'avait parlé, il voulait que tu sortes de la voiture là. Finalement, tu stops le prochain taxi. Tu prends le groupe, tu retournes avec à l'ambassade, on allume la lumière, on met l'encre dans le truc, on imprime ton visa. Finalement, tu reprends en prenant, oh, le vol va bientôt fermer. Te voilà qui court, tu laisses tes affaires à la maison finalement, tu appelles ta mère, que maman porte ma valise. Tu me trouves à l'aéroport, tu cours, tu prends le truc, tu arrives en Dokoti, les embouteillages te dépassent. Tu dis que, oh, c'est quoi ça même? Finalement, tu descends de ta voiture. Tu prends la moto, tu dis que bon, moto, on va à l'aéroport. Le voilà maintenant, en route, tu es là seulement, tu dis que ça, je vais prendre l'avion aujourd'hui. Je vais prendre l'avion aujourd'hui. Tu arrives, on dit que le pilote a eu la toux. Et que sa toux a fait que le vol d'avant était un peu retardé. Donc on te dit que ton vol a 30 minutes de retard. Tu arrives de justesse. Je dois faire des films, je dois écrire les scénarios des films. De justesse, tu t'enregistres. Quand tu t'enregistres, tu vois que tu n'as pas le carnet jaune. On te dit que tu n'as pas le carnet jaune, tu ne peux pas voyager. Tu cherches maintenant où est-ce que je peux faire le carnet jaune. Tu t'es déjà enregistré, mais tu n'as pas le carnet jaune. Tu cours encore. Dieu t'a répondu. Hein? Il y a des situations que si je vous explique comment j'ai fait pour acheter la chose, comment je vous explique, il y a des terrains que si je vous dis comment j'ai fait les acrobaties. Finalement, tu t'assois dans l'avion avec la sueur de 50 litres sur toi. Tu sens jusqu'à... Tu t'en fous. Tu dis que la clim de l'avion là va me nettoyer. Oui. Prier, c'est demander et savoir que Dieu m'a dit que je vais voyager. Dieu m'a dit que je vais voyager. Pas que tu arrives, il n'y a pas l'encre dans le truc de l'imprimante de l'ambassade. Ah, peut-être que c'est un signe, je ne dois pas voyager.
te voir sur la moto pour l'aéroport. Si un jour vous me voyez en Dokoti sur la moto, hein, saluez-moi seulement. Je connais les péripéties pour arriver à l'aéroport. Souvent, dès que le tunnel de Dokoti est fermé, il descend et prend ma moto. Il dit que pardon, dépose-moi ici. Je ne vais pas rater mon vol parce que... Vous devez savoir que il y en a parmi vous que vous êtes tellement attaqué et target. On vous vise tellement qu'ils ne vont pas vous laisser vous échapper. Mais comme toi, tu as déjà reçu ce que tu as demandé dans le spirituel, tu vas bouger les forces. Tu vas bouger les forces là pour que tes choses marchent. Il y a certaines prières que quand tu pries, on te dit que non, madame, tu ne pars pas. Tu dis que je vais que partir. Je vais que partir. Voilà la dimension dans laquelle tu dois partir cette année 2024. Parfois, vous pensez que, comme j'ai demandé mon mari, Dieu va venir me donner l'homme comme ça. Là. Il va arriver, il va dire que j'ai rêvé de toi. C'est toi, ma femme. Et que l'un coup, hein, c'est la bataille. C'est la bagarre. Mais tu vas obtenir ce que tu as demandé. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux vraiment... Moi, il y a... Quand j'étais à Winners Chapel, la chapelle des vainqueurs, je venais, avant d'arriver là-bas, c'était en 2014, j'étais dans une église avant qui faisait toujours croire que « Ah, le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. » Ok. Donc, ce qui fait que j'avais eu cette façon de voir les choses. Et je peux dire que je leur en voulais un peu dans l'église parce que c'était des personnes qui priaient. Elle va prier que Seigneur, donne-moi au travail, je veux que tu me donnes le diplôme, je veux que tu me donnes la promotion. Mais c'est encore la même fille que tu vas la trouver debout à 2 heures en train d'étudier. À 6 heures, tu la vois à l'église. À 6 heures, tu la vois à l'église. Tu dis que, mais mamie, tu ne dormais pas. Elle dit, oui, j'ai dormi à 2 heures. J'ai dormi à 2 heures, mais je suis à la prière à 6 heures. Donc, ils avaient une éthique de pousser qui me... À l'époque, je me disais, mais on ne force pas la bénédiction. Et il y avait un passage que mon pasteur aimait trop utiliser, le pasteur Nathaniel Odin. Et ce passage, c'est ce dicton, je ne sais pas trop quoi, c'était ce proverbe, pardon. Non, le passage est biblique, c'était Matthieu 11, verset 12. Non, Matthieu 12, verset 11. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et les violents les prennent par la force. Beaucoup d'entre vous, vous laissez toujours que ça vienne. Vous laissez. Vous attendez. Donc, je suis en train d'enseigner les principes spirituels qui vont beaucoup vous aider cette année. Donc, j'ai parlé du jeûne. J'ai expliqué le jeûne tout à l'heure. J'ai parlé de la prière. Le prochain point, c'est la visualisation. La visualisation n'est pas... comment on dit même? Ce n'est pas pour les gens des loges ou quoi que ce soit. La visualisation, c'est ton imagination en fait. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement pessimiste que votre croyance surpasse tout autour de vous. Je parlais l'autre jour avec une amie. Elle est allée faire son passeport. Et pour moi, naturellement, moi, je sais que quand quelqu'un fait son passeport, ça soit après 2 jours, 3 jours, non. Et là, deux jours plus tard, elle me dit qu'on lui a dit de revenir au poste. On ne lui a pas dit que c'est sorti, mais on l'a invité à nouveau. Et avant de partir, elle me dit, ah, vraiment, peut-être que ça n'a pas marché. Donc, elle avait tellement de phrases de doute. Tellement.
J'essaie de la convaincre, je dis, mais non, ça ne sort pas, pourquoi? Mais naturellement, voilà. Et quand elle est arrivée, effectivement, on lui a dit qu'il y avait un problème sur sa procédure, gna gna gna. Donc, elle a donné les documents qu'il fallait. Après, quand je pensais à la situation, je me suis dit, waouh, je peux prier avec toi. Je peux avoir la foi sur toi. Mais toi, Vincent, je viens de t'expliquer, le royaume des cieux appartient aux violents. Moi, j'ai mon interprétation, je viens de vous le dire. Si tu n'as pas compris, je ne saurais pas t'expliquer plus que ça. Donc, je peux avoir ma foi sur toi, mais ta foi peut être tellement forte que je parle, on rit ensemble, oui, c'est vrai, on va voir. Mais toi, quand tu rentres, ah, est-ce que ça peut me marcher? Est-ce qu'on peut me donner? Est-ce qu'on peut me donner ça? Non. Jusqu'à moi aussi, j'ai le visa. Jusqu'à moi aussi, j'ai la nationalité américaine. Donc, tu doutes tellement. Tu doutes tellement. Et c'est toujours ta croyance qui va porter tes affaires. Ta croyance portera toujours tes affaires. La visualisation slash imagination. La visualisation, c'est l'imagination contrôlée. L'imagination est plus puissante que la visualisation. Parce que l'imagination, si tu ne fais pas attention, c'est-à-dire, tu peux visualiser, tu finis, tu laisses ton imagination comme un chien s'en laisse, il court. À la fin, tu n'obtiens pas exactement ce que tu voulais. Et je ne vais pas vous mentir, visualiser ou imaginer, c'est quelque chose qui... Parfois, c'est un truc que je n'aime pas trop faire parce que parfois tu fais, tu ne maintiens pas bien, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça te fait mal. C'est comme aller à la gym. Et quand ça te fait mal, tu laisses. C'est comme si tu repartais manger encore les choses grasses. Ton corps gonfle encore. J'espère que vous me comprenez. Donc, tu dois te décider que je vais visualiser, je vais m'assurer que je contrôle mon imagination à tout moment. Et la dernière chose qui est influencée, c'est la parole. Faites attention des paroles quand vous asseyez avec les gens. Les groupes, généralement, s'asseyent ensemble parce qu'ils pensent pareil. Ils parlent pareil. Au Cameroun, par exemple, comment tu vas? Ah, gars, sauf le ngémé, le foirage. On fait, oh, ah non, vraiment, tu sais, vraiment, le mois de janvier, là, c'est dur. On jeûne aujourd'hui. Ah, si tu n'es pas dans le groupe. C'est dur. Tu dis ça parce que tu es avec les gens. Et quand tu dis, tu ne sais pas que quand tu prononces une parole, tu formes une image dans ton esprit. Tu formes une image dans ton esprit. Et cette image que tu formes, ça va dominer. Ça t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un vaguement? Deux heures de temps plus tard, la personne t'appelle. Et ça fait peut-être 6 mois que vous ne vous êtes pas parlé. Waouh, je pensais à toi. Le pouvoir ne se donne pas, mais ça s'arrache. Arraché, pas rangé. Je crois que tu as une erreur de frappe. Parce que ton esprit, votre esprit est très puissant. Ton esprit qui se balade. Je vous ai dit comme un chien. Voyez un chien que tu laisses dans le champ. Il court. Oh, la pauvreté. Il fouille dans la pauvreté. Tu tombes sur la vidéo d'une femme ici qui parle de la pauvreté. Tu fouilles. Ouh. Tu l'as lancé le chien. Tu l'as lavé le chien. Ma chienne fait souvent ça. Tu l'as lavé.
Tu la laisses dans la cour. Elle cherche la terre. Elle va dans le jardin. Elle creuse. Et comme elle est blanche là, elle revient, ses pattes sont sales. Tout son corps est sale. Tu la regardes comme ça, tu te dis, fais comme toi. C'est comme ça que souvent vous faites avec votre imagination. Vous laissez votre imagination courir comme un chien perdu. Et c'est là que se cache la clé de votre vie. Donc, je parlais des pratiques spirituelles, j'ai parlé du jeûne, de la prière. Là, je parle de la visualisation et de l'imagination. Visualisation et imagination. L'une des disciplines aussi que tu dois développer dans ta vie, discipline spirituelle, c'est de conserver les prophéties qu'on t'a données. Bonjour Marlène. Tu dois conserver les prophéties qu'on t'a données. Pour être dans le groupe, vous écrivez. Il y a un numéro dans ma bio, vous écrivez dessus. Cliquez dessus le numéro là. Un lien. Vous cliquez sur le lien là, ça va vous amener dans le WhatsApp. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez commencé votre marche, vous êtes arrivé à l'église. Bonjour A. Tu es arrivé à l'église en 2014, 2011. Quand tu étais encore dans tes débuts de la spiritualité. Beaucoup d'entre nous, nous avons commencé la spiritualité par le christianisme. En fait, c'était ton éveil spirituel. It was your spiritual awakening. Tu entres dans le christianisme, tu reçois beaucoup de prophéties. Je ferai ça de toi, je ferai ça, je ferai, voilà. Tu vas toucher les nations, tu vas nourrir les peurs. Voilà. Après là, quand Goumen évangélique arrive, Goumen financier arrive, perte de ton titre de séjour, divorce, hein, perte d'enfant, déménagement, rapatriement. Les prophéties que tu as reçues en 2010, elles sont toujours valables aujourd'hui. Moïse est quitté de l'Égypte. C'est 40 ans plus tard qu'il est venu sauver Israël. 40 ans. 40. J'en profite pour vous montrer mes ongles. Bon. 40 ans. Fort. Joseph a rêvé qu'il dominait sur ses frères. C'est 13 à 15 ans après. David a été un. Il y a des onctions qu'on vous a données quand vous étiez dans certaines églises. Dieu, ta copine t'invite. Oui, il y a un pasteur qui arrive. Un pasteur est arrivé dans notre église. Viens, viens. Tu arrives. Le pasteur tombe seulement sur toi. C'est comme s'il a fait le service. On l'avait invité dans l'église le jour là seulement pour toi. Il prophétise, il prophétise, il prophétise sur l'enfant dans ton ventre. Et toi, tu as oublié. Hein? Tu as oublié. L'une des disciplines spirituelles que tu dois avoir, c'est la capacité de te rappeler de tes prophéties. Parce qu'il y a les périodes mortes où tu peux passer 3 ans, personne ne prophétise sur toi. Tu passes 3 ans. Tu es dans les bas, quoi là? Boîte de nuit, je ne sais pas, tu as une relation avec un Joe là-bas.
Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas d'appel spirituel, alors que tu as les dons. Alors qu'il y en a parmi vous, vous vivez en incognito. Vous êtes des, comme des espions déguisés. Personne dans votre quartier, dans la ville où vous venez d'arriver, ne connaît vos pouvoirs. Tu fais ton commerce. Oui, tu fais comme si de rien n'était. On te donne même la prophétie, tu as 18 ans. Tu pars, tu accouches 3 enfants, tu te retrouves à 35 ans. Tu sens comment ça remonte encore en toi. Écoutez, l'une des disciplines spirituelles que tu dois développer, c'est la capacité de ne pas oublier l'appel qu'il y a sur ta vie. De ne pas oublier les prophéties que Dieu t'a données à une époque de ta vie. Dieu ne parle pas tous les jours. Dieu ne parle pas tous les jours. Vous, que vous aimez Dieu seulement pour les émotions. Ouh. C'est quoi? Seigneur, pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Quand tu parlais, j'ai senti l'esprit. J'ai senti. Like I feel the Holy Spirit. I can feel the Holy Spirit. Donc, comme tu ne sens pas le Holy Spirit aujourd'hui, ça veut dire que le Holy Spirit n'est pas là. Hein? C'est toujours là. La même puissance que j'avais l'année passée, quand tu m'as vu, tu es venu en bas derrière mes réunions, tu es tombé là. J'ai toujours ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es tombé que je vais croire que, hey, mais ça marche, hein? Hey ya! Je suis vraiment. Ce n'est pas parce que tu es tombé. Je ne me moque pas de vous. Ouais, Seigneur. Souvent, tu vois quelqu'un. Est-ce qu'elle veut même comprendre quelque chose? Ça devient le show maintenant. Le feu sur toi! Le feu, pardon, laissez-moi avec ça, je suis parti pour le show. Vous devez développer la capacité, peu importe les saisons de votre vie, peu importe les saisons, que vous ne soyez pas changeant. Voilà. La danse l'avait tellement fait rage sur TikTok. Le feu sur toi. Eh Seigneur. Les prophéties qui t'ont été données. Il y a aussi, voilà. Il y a aussi des périodes de ta vie. Peut-être quand tu as pris le kit de fondation, tu as fait. Tu as eu des rêves prophétiques très puissants. C'est pour ça que vous devez garder vos rêves. Enregistrez vos rêves, s'il vous plaît. Donc, l'une des voies par lesquelles ils peuvent aussi prophétiser, vous pouvez recevoir une prophétie, c'est par vos rêves. Donc, tu es dans une période où tu sens l'esprit bouger beaucoup. Tu fais un rêve où c'est tellement clair. Tu te réveilles, c'est clair. Écris ça quelque part. Bonjour, grâce. Le kit fondation, j'ai des produits que je vends. C'est vrai que quand vous me trouvez, vous ne connaissez pas. Le kit fondation, c'est pour briser les malédictions générationnelles. Bon, généralement, quand les gens prennent ce kit-là, ils reviennent et puis, bon, généralement, on vous montre qui vous bloque dans le rêve. On montre aussi ta délivrance dans le rêve, les choses comme ça. Parfois aussi, on montre tes pouvoirs dans le rêve. Donc, il y a le kit fondation, il y a le kit de désenvoûtement. Les kits commencent à 70 000 en montant. Si tu as quelqu'un qui est au pays, qui peut venir avec en Europe, c'est bon. Nous-mêmes, on poste. Quand on t'envoie ça par. Quand on t'envoie ça là, dans le pays où tu es, Allemagne, France, tous les pays. Quand on envoie, tu payes les frais de livraison, bien sûr. Ok.
Donc, je vais parler des prophéties. Et sachez que toute prophétie a un temps d'accomplissement. Ça va se réaliser. Il y en a ici, tu es pauvre pour l'instant. Et pourtant, il y a cela 5 ans, tu as reçu les prophéties que tu... 2024 sera ton année. Francine, tu m'as écrit, tu veux quoi, ma mamie? Oui, Reine et Isa. La prochaine et le dernier facteur que vous devez respecter, je parle des disciplines spirituelles qui vont vous aider. Après ça, je ferai les lectures de quelques personnes. Les disciplines spirituelles qui vont vous aider, j'ai parlé du jeûne. J'ai expliqué le jeûne. Quitte avec ça, je n'arrive pas à me rappeler de mes rêves. Je m'en fous. Il faut me laisser. Ok? Je m'en fous. J'ai parlé du jeûne, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de la visualisation, j'ai parlé... du fait que tu dois écrire tes prophéties et te rappeler de tes prophéties. Écoutez, votre truc que vous dites que aide-moi, je vends des produits. Je vends des produits. Arrêtez vos trucs là. Je ne donne pas les astuces. Je vends des produits. Le jour où tu es intéressé, tu viens, tu achètes, tu utilises. Ça te délivre, tu avances. Vous aimez tous les trucs que je vais revenir. Donc, je vais parler des offrandes. Voilà, le dernier facteur, c'est les offrandes. Donc, jeûne, la prière, la visualisation, les prophéties. Et maintenant, le dernier facteur pour aujourd'hui, les offrandes et les dîmes. Donc, je vais prendre des passages pour vous. On va aller à Malachie. Quand tu donnes l'offrande, on va prendre offrande et dîme. Malachie 3, ce sont des disciplines spirituelles. Oui, visualisation, imagination. Merci Lionel. Donc, Malachie 3, verset 10. Apporte à la maison du trésor ta dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Tu donnes ça à la personne qui t'ouvre les yeux spirituellement, qui te nourrit spirituellement, la personne qui t'enseigne et tu comprends, ça t'aide. Si c'est moi cette figure, vous payez votre dîme chez moi. Et si c'est une autre personne, ailleurs. Parce que souvent, vous vous trompez. Vous partez dans une église physique, mais là-bas, vous n'êtes pas nourri. En fait, vous partez là-bas où vous suce même l'énergie. Et faites attention, les personnes que vous partez dans 5 églises là, vous suivez 5 pasteurs ici en ligne. Et vous partez dans 2 églises physiques. Le matin tu pars ici, le soir tu pars de l'autre côté. Vous êtes en train de vous embrouiller vous-même. Vous vous embrouillez vous-même. Non, tu peux dans n'importe quelle église. La dîme, c'est un acte de réciprocité. C'est pour ça que je ne veux plus les gens yo-yo. Je ne veux plus les followers yo-yo. Tu fais le yo-yo. Un mois, tu es avec moi. Un mois, tu pars. Après, tu reviens après 3 mois. Comme ça, quelque chose qu'on avait commencé. Tu as commencé que je veux ça. Tu as semé que je veux ça. Le mois prochain, tu es parti. Choisissez un endroit. Demandez à Dieu. Plantez-vous là-bas. Ça ne peut pas être ta copine qui fait le Congo ça avec toi qui te nourrit spirituellement. Ça ne peut pas être ta meilleure amie. Ça ne peut pas être ta mère. «
Et si tu n'as pas d'endroit, demande à Dieu de te montrer. Demande à Dieu. Donc, ces 10% que tu donnes, il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Pour vous, les écluses des cieux. La dîme, c'est un canal par lequel Dieu peut ouvrir les écluses des cieux. Ça doit être une croyance profonde en toi. On va aller dans Acte. Tu dois être convaincu de cela. Si tu n'es pas convaincu, ne paye pas ta dîme. C'est pour ça que vous faites, vos patrons vous manipulent, pour venir vous plaindre. Il avait les mots. Il m'a fait payer. Pourtant, c'était un faux pasteur. Je ne connaissais pas. Arrêtez ça. Soyez convaincus de vos choses. Il avait les mots. Quand je payais ma dîme, il m'appréciait. Si tu payes la dîme pour que le pasteur dise que well done my daughter. Well done my daughter. My daughter. Laissez. Vous riez. Vous ne savez pas que c'est ce qu'il y a dans vos pensées. La dîme, je suis en train, je vais parler des orphelinats maintenant. La dîme ne se donne pas dans l'orphelinat. Ok? Dîme et offrande, c'est deux choses différentes. Sylvia, bonjour. Francine, prends le bain, le kit fondation. Quand elle voit ton énergie, tu as déjà besoin que tu vas pleurer. Le kit fondation, c'est 70 000 au Cameroun. Tu vas pleurer l'argent. C'est fort. C'est fort, hein. Il y en a même que vous êtes déjà venus à moi. Les femmes que vous êtes dans les pays là-bas, que vous avez touché un peu d'argent. L'argent, tu as les 3 000 euros de salaire par mois. Je ne suis pas à 3 000 euros près, ma chérie. Même si tu portes tout ton salaire, tu m'envoies. Je dépense ton salaire en une journée. Je dépense ton salaire en une journée. Vous voyez souvent des femmes qui sont arrivées, elles croient que quand elles me payent la dîme là. Oui, comme je sors 500 euros, je lui donne. Ne te méprends pas. Donc, n'essayez pas de contrôler les personnes chez qui vous donnez votre dîme. Si tu payes la dîme, la personne sent dans son cœur que je veux prier pour elle, je veux faire quelque chose de spécial. C'est pour ça que je vous enseigne comment prier sur vos dîmes avant de les payer. Priez sur vos dîmes. Avant de déposer, tu dis que Seigneur, je m'accorde, que c'est entre toi et moi. Je donne ça comme ça parce que c'est à travers cette personne que tu me parles souvent. Souvent, il reste comme ça, j'hésite par rapport à quelque chose. Dès que tombe sur sa vidéo comme ça, ça m'éclaircit le cœur. Lagrange, tu es dans quel pays? France ou bien, tu es où? Cameroun, tu devrais être en Europe. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression dans ton énergie. Ok, il faut passer, ça, les kits sont en Makepe. Prends le kit de désenvoûtement en Makepe, ça va t'aider. Écris sur le numéro qui est dans ma bio, on va te poster ça. Donc, le numéro, c'est le 693-50-22-66. Si tu arrives à Makepe, à Paja Center, derrière Paja Center, il y a une menuiserie. La villa est en face de la menuiserie. Vous allez voir la plaque Reine Lumière, c'est la maison blanche qui est là-bas. La seule maison blanche qui est derrière Paja Center. La seule villa blanche qui est derrière Paja Center, les carreaux blancs. Bon, le numéro c'est 693-50-22-66. Bon, je vais vous lire le deuxième passage. Je parlais des disciplines spirituelles. Donc, j'ai parlé de la dîme, qui est 10% de ton revenu. Donc, je vais parler des offrandes. On va lire Actes chapitre
10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il dit Marina, bonjour. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Yemeli, pourquoi les gens cherchent toujours à bloquer les choisis? C'est un peu une question que tu dois te poser. Comment faire pour avoir beaucoup d'argent? Voilà la question que tu dois poser. Ton cerveau va te répondre. Les choisis, vous aimez être pauvre. Pourquoi les gens cherchent à me bloquer? Dis-toi plutôt que comment faire pour avoir plus d'argent? Ton cerveau va te répondre. Ok? Voilà. Donc cet homme était pieux, craignait Dieu et faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Prends le kit business avant de lancer, oui. Le kit business, c'est 80 000, je pense, au pays. Donc, il faisait beaucoup d'aumônes, les dons, dont il était connu dans sa ville. Parce que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Maintenant, la Bible dit, Actes chapitre 10, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange qui est entré chez lui, nanana. Voilà, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Dieu te fait une intervention divine à cause de tes aumônes. La dîme, ce n'est pas les aumônes. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne parce que vous êtes chiche. Bon âme, vous êtes chiche. La taxe. Supposons que tu touches 2000 euros. On t'enlève 110 euros de taxes. La taxe, c'est l'argent du Ngomna. C'est l'argent de l'État. Donc, ton salaire, c'est 2000 euros normalement. Ton salaire, c'est 2000 euros. Ce n'est pas 1890 euros. Donc, tu retires sur le salaire avant que les taxes ne soient retirées. Bonjour Brigitte. José, j'étais beaucoup édifiée. Ok, super. Voilà. Le kit transgénérationnel, si toi-même tu sais que tu es contrôlé, prends ça et tu payes aussi un lavage à distance. Lionel. Prends le numéro. Plus 237. 693. 5022. Dans ma bio, il y a le numéro. 693 5022 66. C'est RM, je dois parler avec vous aujourd'hui. Hein, donc dans 20 minutes. Il n'y a pas les produits de 10 000 chez moi. Tu as compris? Voilà. Prends le sel. Après tu. Tu prends le sel à 2000. Après, tu reviens quand tu as l'argent. Et le kit de 10 000, c'est quel? Il y a les kits, les petits kits qu'on a dans la vitrine là. Les petits kits là. Il y a une dame qui demande un kit de 10 000. Vous pouvez lui vendre ça. Je crois qu'on ne fabrique plus ce genre de kits. Même si j'ai quand même. Donc, les aumônes et les offrandes. Je reviens maintenant à Ésaïe 58. On va lire Ésaïe 58. Verset. Le kit de déblocage, c'est 70 000. J'étais dans le numéro écrit dessus, non? Parfois, vous voulez quelque chose, mais vous voulez encore qu'on vous force, seulement. Prends un numéro dans ma bio, tu écris, j'ai des secrétaires, j'ai quatre personnes qui sont en train de répondre. Donc, Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. On n'a pas dit que prie pour lui, couvre-le. Donne, chicha, que vous êtes là. Donne, habille, donnez. Je vends les produits de déblocage.
Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a des passages dans la Bible où on te dit que fais comme ça, alors, fais comme ça, alors. Je ne sais pas pourquoi vous aimez discuter. Pourquoi vous aimez discuter les choses? Mais les choses ne marchent pas. Et si bloqué, et si bloqué. Comme tu cries les blocages là, c'est comme ça qu'on te montre la solution, tu ne veux pas. Je vais parler donc des disciplines spirituelles que vous devez adopter. Le jeûne, la prière, la visualisation et l'imagination, les prophéties, les offrandes et les dîmes. On jeûne aujourd'hui, donc on a prié à 6h, on va prier à 18h. Pour entrer dans le groupe de jeûne, vous donnez votre numéro. Mais écrivez dans le lien qui est dans ma bio. Prenez, achetez le sel. Si vous êtes à Makepe, vous partez récupérer. Mon gros habit blanc là, je vais jeter ça, je ne porte plus. Oui, je change d'habit tous les 3 mois. Ok ma chérie, je te fais le lavage quand alors? Décide vite parce que je vais encore voyager, je vais bouger bientôt. Paye ton lavage en même temps. Si tu payais comme ça, je te programme. Je vais quitter Libreville bientôt. Est-ce que tu connais comment on laque les murs? Est-ce que ces murs sont laqués? Est-ce qu'ils sont lisses? Non, non, je suis en train de demander pour Cameroun à quelqu'un. J'ai en train de laquer la maison là-bas. On va commencer les lectures. Prends le kit business, si tu veux le kit agence, le kit business qui te faut. J'ai besoin d'un chauffeur, donc voilà le contact, celui-ci. Axel, merci. Bon, on va faire quelques lectures et puis on va... Ceux qui ont payé la lecture, je ne vous ai pas lu. S'il vous plaît, allez à l'inbox. Je ne fais pas partie des locataires des gens. Je ne fais pas partie de ce que je fais.
Allez, tu sais, 20 000 francs. 20 000. Salut Esther, tu as demandé une lecture. Tu vends les cartes, Léa. Tu as beaucoup de jalousie qui t'embête, beaucoup de jalousie. Et je vois un peu comme si c'est même une sorte de découragement. Donc, les personnes... c'est un peu comme si tu as porté un fardeau sur toi qui est très lourd depuis longtemps. Et il me dit de te dire de ne pas perdre espoir. Et les masques sont aussi en train de tomber. Donc, tu es en train de voir les vrais visages de ces personnes. Tu as les dons de guérison. Ces dons ont été bloqués depuis l'enfance. Ramos, tu veux contrôler mon chantier gratuitement? Pourquoi? Pourquoi c'est gratuit? Tu es dans quelle ville? Écoute, quand quelqu'un donne son argent à quelqu'un volontairement, ce n'est pas de l'escroquerie. Les gens qui me payent avec plaisir. Ça leur plaît. Ça leur plaît jusqu'à. Tu comprends? Donc si ça te dérange, il n'y a pas de souci. Ok, Ramos, prends le numéro là-bas, tu écris à mes secrétaires. Tu dis que tu es venu pour... tu es là pour ça. Il faut que tu te rendes à Makepe. Généralement, les gens qui contrôlent les chantiers là volent beaucoup. C'est pour ça. On vous connaît bien. Moi, je te dis, faut aller à Makepe. Tu as compris, non? Si je n'ai pas le droit là, merci pour le service que tu as proposé. Donc, on a aussi lancé beaucoup de confusion sur toi, dans le sens où les choses que tu avais prévues sont en train d'échouer. Tu ne sais pas pourquoi. C'est premièrement parce que tu ne te fais pas confiance. Deuxièmement, parce que tu ne te connais pas. C'est comme si tu ne connais pas les pouvoirs que tu portes. Et tu es un peu quelqu'un qu'on a beaucoup abusé de toi. Donc, les gens autour de toi ont beaucoup abusé. Voilà. Et il y a des personnes qui t'ont vu prendre une mauvaise voie, mais ils ne t'ont pas rattrapé. Ils ne t'ont pas conseillé pour te dire, ah, maman. Je n'ai pas rien contre toi, hein, papa. Je dis comme ça, c'est par expérience, Ramos. C'est juste par expérience, en fait. C'est tout. On m'a trop volé sur le chantier. Trop. Et les gens qui ont volé, là, ils n'ont rien fait avec l'argent, là, après. C'était ça. Donc, tu es aussi un soldat de lumière, ma chérie. Tu as des dons de guérison. Et je crois aussi même que tu es une sorte de chamane. Mais toi, tu exerces en fait en cachette. Dans le sens où
Il y a des personnes qui essaient beaucoup de t'intimider. Ce qui fait que tu caches tes pouvoirs souvent. Oui. Et tu es aussi une sorte d'ange terrestre. Tu es appelé à faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà, je vois aussi l'argent. Tu es censé être très riche. Tu es censé avoir beaucoup manipuler beaucoup d'argent. Bon, les découragements que tu as subis qui ont fait que de temps en temps tu abandonnes ton travail spirituel. On me dit de te dire de ne pas lâcher. Donc relève-toi. Relance encore. Je viens de parler. J'ai enseigné ce matin sur la discipline spirituelle. Va regarder mon direct sur Facebook. Rediscipline-toi. Parce que ça va beaucoup payer. Ça va porter. Ça va te donner beaucoup de fruits. Ça va aussi chasser la confusion dans ton esprit. Waouh. La prochaine carte parle encore de la même chose. Tu dois te discipliner spirituellement. Ça va beaucoup t'aider. Et malgré ton âge que tu crois être âgé, malgré cet âge avancé, tu auras des choses que tu vas commencer à réaliser qui vont te surprendre toi-même. Voilà. Là, bon, je vais faire ta lecture ici, ma chérie. Malgré les tempêtes apparentes de ta vie, on me dit de te dire que les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Je vois un peu comme si tu es fatigué, tu es épuisé. Il y a des choses que tu as essayé de faire, et là, tu es épuisé, tu es fatigué. Voilà. Donc, on me dit de te dire que ça va donner. Donc, ne te fatigue pas. Relève-toi. Tu es aussi quelqu'un que tu es, peut-être chef d'entreprise. Tu es une sorte de leader. Tu as un esprit de leadership. Et quand tu arrives quelque part, tu aimes montrer aux gens quoi faire. Quand ils te suivent, ça marche. Mais, il y a la jalousie autour de toi. Beaucoup de jalousie. Ouais. Si tu n'es pas à ton compte, tu devrais être à ton compte. Parce que c'est un peu comme si c'est à travers ça que tu vas fermer la bouche des personnes. Tu es censé avoir beaucoup d'argent parce que tu es quelqu'un. Voilà, voilà le changement de voix qu'on me montre encore. Tu dois changer de voix. Si tu n'es pas à ton compte, mets-toi à ton compte. Et tu auras un business qui va faire, peut-être dans la beauté, peut-être avec les huiles à vendre. Mais l'argent va venir de beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Beaucoup de pays, tu vas voir. Beaucoup. Et tu auras beaucoup d'employés. Je te vois financer beaucoup de personnes. Beaucoup de familles dépendent de toi. Et tu vas aussi te former. Tu vas apprendre certaines choses. Tu vas apprendre à faire certaines choses. Tu es aussi un soldat de lumière. Donc, tu as... il faut faire dans le conseil aussi. Je vois un peu, tu es quelqu'un que si tu arrives quelque part, tu dis à quelqu'un que fais comme ça, conseil ou coaching, fais comme ça. Si tu dis à la personne de faire quelque chose, ça marche. Tu dis que je fais quelque chose, ça marche. Oui. Et tu as des dons spirituels très accentués. Très accentués. Mm-hmm. Maintenant, tu auras aussi des personnes qui vont, quand tu vas te lever, tu vas connaître qui tu es, des personnes vont vouloir t'intimider. Mais on me dit de te dire de ne pas te décourager, que ça ne t'influence même pas. Parce que tu as une protection sur toi. Voilà, tu as une protection. Et il faut prendre le kit commerce. Après, tu prendras le kit attraction ou chocolat. Tanké, les lectures sont payantes, Tanké.
Allez, tu sais, 20 000. 32 euros. L'objectif de la vie, c'est réussir. Tu es pauvre, la tête te bloque. N'aime pas lire les pauvres. (0) 74 18 00 80, le numéro du Gabon. Donc Deneba, tu es protégé. Tu doutes très souvent de cette protection. Et tes paroles, souvent, ce sont tes paroles vis-à-vis de toi-même en fait qui enlèvent ta barrière de protection. Donc on me montre que tu dois approfondir ton travail spirituel personnel. Donc tu peux venir ici en ligne, tu écoutes, mais tu ne fais pas en fait. Et ça fait partie des choses qui t'exposent. Pourtant, tu as des dons et tu es appelé. Mais si tu ne fais pas attention, cet appel, tu auras les attaques en fait, dans le sens où ils peuvent détecter, ces entités négatives peuvent détecter les personnes puissantes et tu fais partie de ces personnes. Donc, j'ai des personnes que quand tu es né, on a même délégué des entités pour venir t'arrêter. Tu as aussi pris beaucoup de retard parce que tu étais censé déjà être plus loin que ça. Tu es censé être à ton compte. Tu dois travailler pour toi-même. Si tu travailles pour quelqu'un, mets quelques business de côté que tu fais. J'ai donné le numéro du Gabon, vous n'avez pas noté. Tu dois changer de voie. Tu as les dons de... Tu peux voir, tu peux guérir avec les mains. Malheureusement, on a aussi fait de telle façon que tu fais beaucoup d'efforts. Donc, tu travailles beaucoup avant d'avoir un peu. Tu travailles beaucoup avant que ça donne quelque chose. Donc, si tu peux, tu prends un kit fondation, ça va t'aider. Numéro du Gabon, 074 18 00 80. Le PayPal, c'est A-U-R-E-L-I-E Michel, Aurélie Michel. Donc A-U-R-E-L-I-E M-I-C-H-E-L-L-E 2017@gmail.com. Ah, d'accord. Ok. Si vous avez une équipe sur le pays, ça va. C'est bon. Donc, est-ce que vous pouvez envoyer un de vos employés ou collaborateurs, donner un contact au Cameroun. Et puis, je vais vous mettre en contact avec mon équipe. Comme ça, on va vous passer. On va vous dire tout ce qu'on a, on a l'intention de faire. Et vous verrez. Voilà. Merci. Je vais encore lire une personne. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Il faut que j'y aille.
Les tuiles sont payantes, c'est 20 000. Donc, Sylviane, il y a les dons de guérison que tu as. Tu as fait beaucoup de travail. Tu as les dons de guérison. Tu as fait beaucoup de travail. Et actuellement, cette année, tu vas voir les business que tu as essayé d'établir les autres années qui n'ont pas marché. Ça t'a fait prendre du retard. Cette année, tu vas avoir une accélération. Ça va marcher. Tu vas établir une autre source de revenus supplémentaire. Hein. Voilà. Il y a des personnes fidèles qui vont venir travailler avec toi. Vraiment bien qui vont venir et vous allez développer ensemble. Et je vois aussi des voyages qui vont aller dans le contexte du travail pour augmenter les sous en fait. Pas que tu voyages pour perdre de l'argent, mais pour augmenter les sous. Voilà. Et tu t'étais peut-être précipité dans le passé et après, une certaine activité n'a pas marché. Mais là, tu vas reprendre encore. Et il te faut instaurer quelque chose où ton business de coaching, là, on me dit que tu dois être en ligne. Tu dois commencer à faire des vidéos en ligne. Les gens vont venir de tous les quatre coins du monde. Et il y a le leader en toi qui est en train de se réveiller. Donc, on a essayé de trop t'appuyer. Mais tu es quelqu'une que ton appel, je crois que je t'avais dit une fois, tu es censé changer ta communauté, les mentalités ou les mœurs des personnes là-bas. Tu es censé changer. Oui. Donc, ça, c'est ce que tu vas faire. Henriette, comment tu vas? Bon, je n'ai pas fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Hein. Ceux qui ont payé, vous allez écrivez en inbox, s'il vous plaît. Je ne lis pas gratuitement. Et je dois y aller. Vous passez une belle journée. On va potentiellement faire un direct en journée parce qu'on jeûne aujourd'hui. J'ai besoin que vous soyez très concentrés spirituellement sur ce qui est en train de se passer, en fait. Sur ce que vous avez demandé. Voilà. Si tu as payé, écris sur le numéro auquel tu as payé. Tu as compris? Le numéro plus 237 693 50 22 66. En Côte d'Ivoire, plus 225, 07 79, 02 52, 05. Mon cœur n'est pas le caillou. C'est 20 000. Laissez ça. Si vous savez comment vos choses vont marcher, les gens qui vous ont détesté, qui vous ont abandonné, croyant que vos choses ne vont plus marcher, vous marchez encore de plus belle. Vous marchez de plus belle. Ton ami n'a ton ton ten, da da da, eh eh, olé, da da da, tic 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 tic. Il faut que quelqu'un m'emmène en boîte. Je dois aller en boîte. Sérieusement. I need to go to the boîte de nuit.